Il est 8h du matin, on a fait nos sacs. Maintenant, on n'a plus qu'à partir et aller au niveau de l'arrêt d'autobus qui se trouve à au moins une petite dizaine de minutes de marche d'ici et prendre ma machoka direction Bishkek. Eh oui, c'est bientôt la fin du voyage. Ouais, la fin du Kyrgyz en tout cas. C'est vrai que les 2 jours qui arrivent ne sont pas les plus intéressants. Il y a un nouvel arrêt dans le Machuca. Il y a une amie qui arrive, elle allait récupérer des abricots. J'en ai que pour 60, je me rendais pas compte parce que du coup, bah, comme il fait pas du tout. En fait, j'ai eu tout ça d'abricots. Oh, ce sera mangé, il y a pas de soucis. Mais bon, ça fait pour 60 centimes et ils étaient vachement beaux. Au final, c'était des barquettes qui étaient déjà tout faites et elle a juste retiré 2 abricots. Bah, très bien. Bon, ça va être pas mal, là, j'avoue, j'en ai envie. Eh ben, les petits fruits, vas-y. Ils sont trop trop bons et je sais très bien que quand on va rentrer en France, ça va être la fin des saisons des fruits. Autant profiter maintenant. Autant profiter. Hier, on s'est mangé des framboises. Oh, c'était une tuerie. Elles étaient hyper bonnes. Genre, on sait quoi manger à peu près 300 grammes de framboises à deux. Ouais, oh, c'est ça. On les a démontées les framboises. Elles étaient mais. Ah, je ouais, vraiment, ça se mange comme des. Genre, comme ça s'enchaînait ouais, comme des popcorn. Ça, c'était clair. Trop bon. Et tu me laisses une petite mascara. Et c'est parti. Da, to je mesto položení. Arrivé à Bishkek, finalement on avait lu que le trajet durait 6 heures, en fait il a duré 4 heures. Là il est midi et quelques, on est là, donc on attend le petit taxi qui va nous emmener. Enfin, il est pratiquement 13h, il est 10h. Du coup on attend le petit taxi qui va nous emmener à l'auberge et après bah, on ira un peu au bazar et puis va manger. C'est le premier conducteur qui a mis sa ceinture. Là du coup on est dans le marché, on a trouvé un petit restaurant pour se poser et on a commandé un plof et des lagmans et un thé noir. Du coup on a commandé un plof que voici et là on attend les lagmans qui devraient pas tarder à arriver. Du coup on a reçu le plat de lagmans. Elles sont pas mal. Elles sont bonnes. Merci.
24 minutes, s'il te plaît. Au revoir, ça va. Crème glacée avec du sirop de chocolat dessus. Ça a quel goût? Crème glacée. Genre crème quoi. Bon appétit. Bon alors du coup on a fini les brochettes, j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'on avait trop faim. Mais Max était parti chercher des brochettes, il y en avait une de viande, je crois que c'était du bœuf, ouais, et une c'était avec du foie. Et j'ai ramené également des fruits, donc j'ai des cerises ici et j'ai des petites baies oranges, comme ça, que les kiwis sont très friands en tout cas, donc on va goûter tout ça, c'est parti. Il fait une tête bizarre quand même. C'est un peu acide. Un goût un peu groseille. Mais en vrai, c'est pas trop mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu goûtais? Moi, je goûterai après. Ok. Voilà, du coup, les petites baies oranges que Noémie adore. Yo, bon là il est 6h, du coup on va pas tarder à commander l'index. On est un peu fatigué, hein. Bon, moi j'ai du mal à émerger, j'avoue que je serais bien restée au lit. C'est pour dormir dans le match poker. Ouais, c'est on ça. On a 10 heures de route. Normalement on a même plus que 10 heures de route. On a lu différents commentaires sur internet, il y en a qui partaient à 6h, ils arrivent à 22h, donc... Bon, aujourd'hui, ça va pas être forcément très très intéressant. On va prendre un transport pour aller jusqu'à la frontière de l'Ouzbékistan. Ouais. Pour pouvoir passer la frontière demain matin. Ou demain dans la journée, en fait. Juste devant normalement. Et à venir par là-bas, vu la situation, c'est retourné. Donc on est plutôt contents même si on est séparés. Mais on voulait pas être tout derrière là. On s'est passé la dame. Mais du coup normalement on devrait partir dans pas trop longtemps. Donc on va voir. Mais c'est cool en tout cas on a trouvé un match Ruka. Parce que sur internet il parlait. Bon, mon cœur t'a changé de place du coup apparemment. Exact, c'est ça. J'ai pas tout compris mais je l'ai pas. Après quand c'est devant t'es mieux placé quand même. Tu veux qu'on change un petit peu devant? Non c'est bon, non mais ce que je veux dire c'est que par rapport aux places derrière. Oui oui. En fait je suis en train de demander si elles étaient pas les places à la base ici. Et du coup comme on aurait pas pris leur place mais bon, je sais pas. Je sais pas, ils nous ont dit oui pour ce soir là.
C'est trop beau. Oula, mes cheveux, c'est une catastrophe. Ah, oh, c'est bon, ça passe. C'est parce que j'avais ma capuche dans le bus. Donc là, on est dans le Matchroutka. Matchroutka, direction Hoche. Direction Hoche. Et on est sur la Pamir Highway, ouais. Une très belle route qui traverse l'Asie centrale. Et là, vous pouvez le voir derrière. Et du coup, c'est trop beau parce que hier soir, il a plu à Bishkek. Mais ici, il a neigé. Et c'est vraiment trop, trop beau. On voit que la neige, elle est fraîche et tout. Ouais. Donc c'est vraiment magnifique. Ouais, tu me restes quelques traces de neige. Je vais balancer de la neige. Mais en même temps, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu la neige, donc ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop contente. Ouais, là, elle est fraîche, elle est trop belle, quoi. On peut faire des bonnes boules de neige. La neige trop dure. Ah pardon. Il s'avère que le pneu qu'on avait en rab apparemment était abîmé. Du coup, il y a un autre minivan là qui s'est arrêté qui nous a donné un pneu. Donc là, maintenant, il va pouvoir le changer. RIP, petit pneu, parti trop tôt. Ouais, il est quoi, il est 13h, on s'est arrêté pour déjeuner. Je sais pas si vous voyez le téléphone. On s'est arrêté à la base ici, en haut là, pour changer la roue, parce qu'on a crevé évidemment. Et là, on a roulé un petit peu, on est ici. Je sais pas combien il nous reste de temps de trajet. Il me dit 6 heures, peut-être un peu plus, parce qu'il devait passer par l'Ouzbékistan. Et là, on a commandé à manger. On a pris des langman, des nouilles tirées. On voulait prendre des mantis, mais on n'avait plus, donc on a pris des brochettes de kebab. Et un petit thé noir pour accompagner tout ça. Thank you.
Voici les Langman qu'on a pris. J'aime moins quand elles sont en sauce comme ça. Ouais. Juste espérer que la sauce soit un peu épicée quoi. Après il y a des épices. Oui, mais. Mais j'aime moins, je préfère quand c'est les bouffus. Et voilà les deux, enfin les kebabs qui sont ici. Évidemment, quand je filme, c'est la station essence. Alors, juste avant, il y avait la rivière qui était trop jolie. Ah, voilà. Sans comprendre pourquoi, on a changé de mashruka. On est passé de celui-là à celui-là. Et on ne sait pas pourquoi. Vient d'arriver à Hoche, on est au tout début de la ville donc on fait un lien de Dex pour aller à l'hôtel. Ouais. Quelle heure il est? 21h30 pardon. Donc 21h30, on s'est levé, donc Max s'est levé à 5h15, moi à 5h45. On a été à la Mashruska Station à 6h30. On est parti vers 7h. Depuis siècle. Ouais, ça fait un gros chemin quand même. Là, on a un peu explosé. En fait, on n'est pas forcément fatigué, mais on en a marre. Enfin, là, toute la journée dans la voiture, on a un peu ras-le-bol. En plus, on a crevé sur la route. Enfin, bref. Ouais, un peu d'aventure. C'était les petites aventures. Mais là, j'ai un peu mal aux jambes, j'ai un peu mal partout. Enfin, c'est pas confortable, quoi. On est secoué dans tous les sens. Donc, bien hâte d'aller à l'auberge et aussi de manger un bout. Parce qu'on n'a pas mangé depuis 13h, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Non, c'est bon, on va pas retourner à Bishkek. Hein. On vient d'arriver. Il nous propose d'aller à Bishkek, mon cœur, tu veux y aller? Ouais, bien sûr, vas-y. Là, on attend le Yandex, du coup, qui va venir nous chercher. C'est lui? Évidente, on n'a pas fait le combo pizza sushi. Bah, c'est surtout qu'on connaissait pas, on a regardé sur l'application. Si à la rigueur on les avait vus en vrai, j'aurais peut-être tenté, mais là j'avoue, sur des photos, je me tentais pas. Ils vendent des hamburgers, sushi, pizza, wok. Poulet rôti, wok. Bon, du coup, évidemment, Max a pris. Une pizza que tu as et pris. Moi j'ai pris un espèce de durum, ouais. On va voir ce que ça donne. On a pris des petites frites avec de la sauce aioli. T'as pris ça là. Deux petites sauces. Moi je t'en donnais plein de salades, c'est cool ça. Bah, en revanche ça faisait un peu négatif quand t'as dit ça. Pizza. On va
vrai, ça va. Oh, ça va. Elle a une tête correcte. Oh, ouais, ouais. Mais je m'attendais à bien pire. Ça va faire le taf. Vu l'heure qu'il est. Oh, ça va faire. On avait la flemme de sortir. On a fait les gros flemmes.